C'est Célia, on se retrouve aujourd'hui pour la présentation de mes pochons de tarot, d'oracle, dans lequel on peut mettre tout un tas de choses, des pierres, pourquoi pas, de l'encens, ce que vous souhaitez. Ces pochons, en fait, je les ai pensés, je les ai dessinés, j'ai choisi avec... Il m'a fallu beaucoup, beaucoup de patience pour choisir le bon tissu, le bon motif... Mais je suis très très heureuse et très très fière en fait du résultat. Je suis vraiment contente de pouvoir vous proposer ces jolis pochons. Donc pour ceux qui ne le savent pas, ce sont les pochons qui vont avec les jeux que j'ai créés. Et vous les retrouvez sur mon site dont vous avez la référence juste en dessous en barre d'infos. Alors les premiers pochons que j'ai faits, c'est ceux pour le reflet de lune et celui pour le tanis. Alors ici, c'est un pochon qui a été fait en satin. J'ai rajouté les petites étoiles que vous voyez ici. Et puis, j'ai choisi les petites breloques, le petit pompon. Et à l'intérieur, en fait, j'ai mis du cuivré, puisque ça faisait en fait écho au brou de noix dans lequel j'ai coloré, dans lequel j'ai créé en fait le reflet de lune. Donc pour vous le montrer, pour ceux qui ne connaissent pas, voilà, c'est un jeu où j'ai dessiné les dessins en fonction des taches que j'avais créées au brou de noix. Voilà, la même technique que pour l'oracle des reflets. Donc on a ce côté très marron, très chaleureux, en fait, que je voulais absolument retrouver dans le pochon noir. Et marron, noir et cuivré, et bien sûr la lune qui fait écho au reflet de lune. Voilà, donc c'est un jeu dans lequel vous pouvez glisser un petit Lenormand. Donc voilà, c'est un jeu de petite taille. Ça peut être aussi un coffret pour tous les jeux qui sont des jeux de cartomancie classique, c'est-à-dire un jeu de, par exemple, de type poker aussi, pourquoi pas. Voilà, vous avez ici des petites perles en verre de Murano, cuivré également. J'adore faceter comme ça. Donc ça, c'est le premier pochon que j'ai fait. Et comme le reflet de lune est arrivé en même temps que la seconde édition du Tanis le Normand, j'ai fait faire aussi un pochon pour le Tanis le Normand. Où là, c'est pareil, hein, il a fallu beaucoup de temps. Et beaucoup de patience pour choisir les tissus, mais je pense que ça a été le cas vraiment pour tous les pochons. J'ai mis ici le trèfle que l'on retrouve également ici sur les côtés, le trèfle qui fait donc référence à la carte du trèfle dans le Lenormand. Vous avez des fleurs qui sont sur le motif satin ici, vert foncé, et vous avez du doré à l'intérieur. Un satin doré à l'intérieur. Hop. Donc vous pouvez mettre le jeu bien sûr avec la boîte ou sans la boîte, hein, c'est vraiment comme vous le souhaitez. Donc c'est pour faire bien sûr écho à ce jeu-ci, qui est un jeu en fait beaucoup plus coloré, beaucoup plus... Oui, il est beaucoup plus coloré en fait hein, que mes autres jeux, le Normand en tout cas. Donc voilà, il arrive dans une petite boîte en fer. Et je vais vous montrer d'un petit peu plus près cette jolie perle en fait. J'ai complètement craqué pour cette perle. C'est du verre de Murano avec des petites incrustations d'or et des petites fleurs aussi qui sont reprises. Voilà, vous avez le joli pompon argenté. Et je vous montre la petite breloque du coup qui arrive sur le côté. Voilà.
et donc le tissu. Voilà, donc ça c'est le pochon du Lenormand avec ses quatre cordons. Et ensuite vous avez les deux pochons qui viennent d'arriver, du Lily White et du Lily Black. Ce sont ces deux pochons là. Alors là pour le Lily Black, voilà, je voudrais vous montrer le motif du tissu. J'adore. Et par-dessus, il y a ce petit motif du coup que j'ai créé avec des abeilles. Des abeilles qui montent comme ça en pyramide et qui vont jusqu'à cette belle breloque abeille. On a ici, on retrouve toujours pareil, hein, je suis très très fan des perles en verre de Murano. C'est vraiment mes préférés. Et on a du coup une breloque comme ça, une perle en verre doré, un pompon doré cuivré, une petite fleur ici. Voilà, donc pour vous montrer l'abeille. Et bien sûr, l'abeille fait référence au 8, qui est une de mes cartes chouchou. Et c'est un jeu qui est noir, mais qui est très très coloré, très vif au niveau des couleurs. Donc j'ai mis un satin rose fuchsia, qui je trouve correspond très très bien au jeu. Je vais vous montrer quelques cartes, donc vous comprendrez que le côté doré bien sûr fait référence au doré de la boîte. Et vous voyez, il est sur fond noir, avec des tranches noires, et pourtant les illustrations sont très vives. Donc j'avais besoin que le pochon ne soit pas noir, très doux, ou qu'il y ait ce côté un petit peu plus peps, qui fait vraiment écho aux couleurs du jeu. Alors, petit bonus, vous pouvez glisser à l'intérieur, si vous le souhaitez, un autre oracle, puisque ce sont des pochons qui sont quand même d'assez grande taille. Donc, par exemple, ici, vous avez la seconde édition de l'oracle des reflets, qui est plus large du coup que la première édition, et vous voyez qu'il se glisse parfaitement dedans. Voilà. Donc ça peut être un pochon également pour l'oracle des reflets. Pour la version white, par contre, on est dans un jeu qui a été travaillé à l'aquarelle. Donc il fallait un pochon qui soit beaucoup plus doux, beaucoup plus tendre au niveau des couleurs, qui correspondent beaucoup plus à l'univers. Alors j'ai repris ce fameux motif derrière de fleurs, enfin c'est en même temps des feuilles, des fleurs, ce sont des arabesques. Vous avez des fleurs qui sont ici, des arabesques sur le côté. Il y a toujours cette pyramide qui fait référence à la carte du 8 qu'on retrouve dans les deux jeux. La carte, la petite breloque d'abeille que je trouve absolument sublime. Et vous retrouvez, vous voyez, des cordons qui sont beaucoup plus doux, beaucoup plus pâles, plus pastels. Pareil pour le petit pompon, on est dans un petit pompon plus doux, plus tendre ici, alors que dans le black, on était dans quelque chose de plus foncé, de plus cuivré, de plus profond au niveau de la couleur. Voilà. Et l'intérieur, du coup, j'adore l'intérieur également. Il est rose tendre avec des petites fleurs, comme ceci. Et là, moi forcément, je pense à la carte de l'impératrice. Et j'aime beaucoup, je trouve que c'est très harmonieux en fait, ce qui a été... C'est un pochon que je trouve très très harmonieux, très tendre, très doux. Voilà, je vais vous montrer... Vous voyez par exemple, les cartes récapitulatives du jeu, par exemple ici, sont en rose tendre. Et on a, voilà, par exemple la carte de l'impératrice. Avec ce travail à l'aquarelle, ces fleurs, cette profusion en fait, cette créativité, les petits œufs qui sont ici, le petit nid qui est fait avec ses cheveux. Donc on a la créativité, on a la profusion d'idées, la croissance, la créativité vraiment ici bat son plein, mais dans la tendresse, dans la douceur, dans l'harmonie. Donc c'est une de mes cartes chouchou. Et je vais vous montrer quand même, pour ceux qui ne connaissent pas, la carte du 8 de denier. Voilà.
avec cette belle abeille. Donc voilà pourquoi ça me tenait à cœur en fait de mettre une abeille, pas forcément mettre des fleurs, mais plutôt mettre une abeille. En plus on a ce côté travail puisqu'on va travailler avec son jeu. Donc on a, alors bien sûr c'est un pochon également qui peut contenir des oracles puisqu'il a la taille, il a la même taille que celle du Lily Black dans lequel on a pu par exemple mettre l'oracle des reflets. Dedans si vous le souhaitez par exemple, vous pouvez également mettre votre Sweet Ladies. Hop, ou tout autre jeu que vous souhaiterez bon de mettre à l'intérieur. Voilà, au niveau de la petite perle, toujours pareil, hein, la perle en verre de Murano. C'est une perle rose avec des petites feuilles et des petites roses qui sont des petites fleurs ou des roses qui sont reprises à l'intérieur. Voilà, et j'aime beaucoup, beaucoup le tissu. Voilà pour la présentation de ces pochons, j'espère qu'ils vous plaisent, qu'ils accompagneront vos jeux, qu'ils rendront agréable votre travail avec vos oracles, vos tarots, vous permettront de les emporter aussi partout en sécurité dans votre sac ou dans votre valise. Je vous souhaite une très très belle journée, on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye! Thank you.